Qu'est-ce que le dropshipping de print on demand et quels sont les avantages et inconvénients de ce modèle commercial? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah et je travaille au sein de l'équipe marketing de Printful. Aujourd'hui, on va faire un retour sur les bases. Parmi les personnes qui viennent de se lancer dans l'e-commerce ou souhaitent le faire, beaucoup se demandent qu'est-ce que le print on demand? Comment ça marche? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux imprimer et envoyer ses produits soi-même? Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous apprendrez comment fonctionne le dropshipping de print on demand et pourquoi c'est un bon moyen de démarrer un business en ligne. On verra ses principaux avantages pour voir comment tirer le maximum de profit et ses principaux inconvénients pour voir comment les éviter. Avant qu'on commence, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur l'icône en forme de cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo et ne manquez aucun de nos conseils pour lancer une activité rentable en ligne. Pour répondre à cette question, on va d'abord voir ce qu'est le dropshipping. Le dropshipping, c'est un modèle commercial dans lequel un vendeur propose à ses clients des produits fabriqués ou commercialisés par un fournisseur tiers. Ce fournisseur tiers livre directement les produits aux clients du vendeur. Ça peut être soit de la revente de produits finis, non personnalisés, comme par exemple revendre des produits AliExpress ou ses discounts, soit des produits personnalisés sous votre marque avec vos propres designs imprimés ou brodés. Si les produits sont personnalisés, c'est ce qu'on appelle du print on demand ou impression à la demande en français. On parle de production à la demande parce que vos designs personnalisés ne sont imprimés sur les produits que lorsque les clients les commandent. Pour mieux comprendre le fonctionnement du print on demand, prenons l'exemple de Printful. Pour vous lancer en print on demand avec Printful, il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur notre site et de connecter votre boutique en ligne à Printful. Ça peut être une boutique en ligne créée sur des plateformes comme Shopify, WooCommerce, Squarespace ou un compte vendeur sur une marketplace comme Etsy, eBay, Amazon. Ensuite, vous choisissez les produits que vous voulez vendre à partir de notre catalogue, vous créez ou importez vos designs, définissez vos marges de profit et attendez que les commandes arrivent. Lorsque vous recevez une commande, Printful personnalise les produits avec vos designs d'impression, de broderie ou autres, les emballe et les livre directement à vos clients. Ça vous permet de lancer votre propre entreprise ou marque en ligne sans avoir à acheter de produits en gros, ni à investir dans l'équipement ou du personnel. Vous n'aurez pas à payer pour vos produits à l'avance, ni à les stocker, ni à gérer leur livraison. Vous pouvez gérer votre entreprise où que vous soyez, il vous suffit d'avoir un ordinateur et une connexion Internet. Le print on demand est une solution idéale pour ceux qui débutent et qui n'ont pas les moyens de faire de gros investissements. Avec Printful, il n'y a pas de frais d'inscription ni de frais mensuels. Vous pourriez avoir à payer pour l'hébergement de votre site, pour l'utilisation d'une plateforme de e-commerce ou pour de la publicité payante pour faire connaître votre boutique. Mais ça reste une solution très très rentable par rapport à d'autres modèles d'entreprise. Se lancer en print on demand n'implique pas de gros risques. Vous pouvez maintenir et même développer votre activité avec un très petit budget. C'est aussi un bon moyen de développer une activité, d'expérimenter et de tester de nouveaux produits et de nouvelles idées. C'est un modèle commercial idéal pour les entrepreneurs et les artistes qui veulent vendre leurs œuvres sur différents produits, que ce soit des tirages de leurs œuvres d'art ou des citations imprimées sur des mugs. Si vous avez déjà une activité en ligne ou une marque, le print on demand est aussi un excellent moyen de gagner un revenu passif en vendant des produits dérivés. Les produits dérivés personnalisés sont devenus une véritable source de revenus, non seulement pour les youtubeurs et influenceurs, mais aussi pour les entreprises, les associations et les indépendants qui rassemblent une communauté autour de leur activité. Bref, le print on demand peut être un excellent moyen pour vous de démarrer une activité en ligne, dans un premier temps pour gagner un revenu supplémentaire et pourquoi pas un jour vous y consacrer à plein temps. Maintenant, passons aux choses sérieuses et voyons les principaux avantages et inconvénients de ce modèle. 1. Vous n'avez pas besoin de faire imprimer en gros. Vos produits sont fabriqués à la demande, seulement lorsqu'un client les commande. Ça vous évite de vous retrouver avec un stock énorme d'invendus si l'un de vos designs ne se vend pas aussi bien que prévu. 2. Vous n'avez pas besoin d'acheter d'équipement. Printful s'occupe de la personnalisation de vos produits avec de l'impression, de la broderie et de la gravure en fonction du produit. 3. On vous épargne le côté barbant de la gestion d'une entreprise. On s'occupe de l'exécution, de l'emballage et de la livraison de vos commandes, pendant que vous, vous vous concentrez sur vos designs et votre stratégie marketing. 4. Vous pouvez tester de nouveaux designs et prendre plus de risques. Printful vous permet d'ajouter facilement de nouveaux designs et produits à votre boutique et voir s'ils plaisent ou pas à vos clients. Comme les produits sont imprimés à la demande, pas besoin d'investir dans des designs ou des produits qui pourraient ne pas se vendre. Si un design ou un produit n'est pas aussi populaire que prévu, vous pouvez facilement le retirer de votre boutique. 5. Vous disposez d'une large gamme de produits à vendre. Printful va au-delà de la simple impression. Nous avons des produits de broderie comme des casquettes, des vêtements, des bijoux gravés, des articles all over avec votre design imprimé sur toute leur surface, comme des leggings, des robes, des sacs à dos, des sacs bananes, etc. Vous pouvez créer vos propres collections de vêtements pour différents publics, par exemple créer une collection avec des hauts, des shorts, des leggings et des brassières de sport pour les amateurs de fitness, une collection pour la plage avec des maillots de bain, des serviettes, des sacs de plage personnalisés ou même une collection de produits personnalisés pour bébés avec des bodys, des leggings ou des bavoirs. 6. Vous pouvez offrir plus d'options de personnalisation à vos clients. Par exemple, leur proposer d'incorporer quelque chose d'unique au design, comme leur nom. L'un de nos objectifs est de répondre à un besoin croissant
100% de personnalisation de l'expérience d'achat du client. D'ailleurs, nous avons créé un outil de personnalisation de produits disponible pour certaines de nos intégrations. Cet outil vous permet de vendre des produits que vos clients peuvent personnaliser directement sur votre boutique sans que vous ayez à les modifier manuellement, vous-même à chaque fois. Pour en savoir plus sur notre outil de personnalisation des produits, je vous invite à consulter cette page. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. 7. Vous pouvez facilement créer votre marque. Les services de Print on Demand ont tous une chose en commun. Ils sont en marque blanche. Ça veut dire que vous pouvez personnaliser vos produits et emballages avec votre propre logo sans qu'il n'y ait aucun signe que le produit provient d'un service tiers. Par exemple, avec Printful, vous avez différentes options de personnalisation. Vous pouvez créer des étiquettes intérieures ou extérieures personnalisées avec votre logo sur vos vêtements, personnaliser vos bordereaux d'expédition ou ajouter des encarts d'emballage comme des autocollants ou des notes de remerciement pour donner à votre colis une touche personnelle. 8. Vous avez de nombreux services et ressources à votre disposition. Travailler avec un service de Print on Demand est en quelque sorte un partenariat. Votre succès en tant que vendeur est un succès partagé avec votre fournisseur. Vous pouvez compter sur Printful non seulement pour la gestion de vos commandes, mais aussi pour vous aider à démarrer et à développer votre activité grâce à de nombreuses ressources. Notre site et nos réseaux sociaux regorgent de conseils. Nous avons des blogs, un e-book pour vous aider à créer votre boutique, des vidéos, etc. Et nous en ajoutons chaque jour plus pour vous accompagner et vous aider à réussir dans vos projets. Mais comme pour tout, il y a aussi des inconvénients au modèle du Print on Demand. 1. Vous n'avez pas le contrôle sur la personnalisation et la qualité des produits. Comme avec tout service de dropshipping, en Print on Demand, vous ne voyez pas les produits avant qu'ils soient livrés à vos clients. Vous devez donc faire confiance à votre fournisseur. C'est pourquoi il est important de tester vos designs et vos produits avant de commencer à les vendre pour voir à quoi ils ressemblent. Avec Printful, c'est très facile. Vous avez la possibilité de commander des échantillons de produits à prix réduit. Il est possible que vous ou votre client receviez un produit endommagé. Il peut s'agir d'une erreur du fabricant, d'une erreur lors de la personnalisation ou d'un accident pendant l'expédition de la commande. Ce sont des choses qui arrivent dans toute entreprise. Comme vous le savez peut-être déjà, les produits exécutés par Printful passent par un contrôle de qualité. Mais comme pour tout, il est possible que nous laissions accidentellement passer un produit défectueux. Si votre client reçoit un produit défectueux ou endommagé en raison d'une erreur de notre part, nous en assumons l'entière responsabilité et vous proposons un remboursement. 2. Vous dépendez de votre fournisseur ou votre partenaire d'impression et de la disponibilité de ses stocks. Chez Printful, nous travaillons avec différents fournisseurs pour nous procurer des produits ou des matériaux, par exemple du tissu. Il arrive donc parfois que les produits soient en rupture de stock ou indisponibles. Avec Printful, vous pouvez vérifier la disponibilité et les prix des produits sur les différentes pages produits de notre catalogue. Cliquez sur le produit en question et vérifiez sa disponibilité sous cet onglet. Vous pouvez y voir les variantes de taille et de couleur qui sont disponibles en stock, ainsi que les centres de production où ils sont disponibles. Vous pouvez donc voir quels produits sont toujours disponibles et lesquels nous stockons à la demande. 3. Le traitement des commandes prend plus de temps. Comme chaque produit est personnalisé avec vos designs à la demande, le traitement des commandes peut prendre plus de temps que si vous avez des produits prêts en stock. Notre délai moyen de traitement des commandes est de 3 jours, et les délais d'expédition s'y ajoutent. Vous devez informer vos clients et leur faire savoir que chaque produit est imprimé à la demande et que ça prend un peu plus de temps que d'envoyer un produit tout fait. 4. La gestion des retours peut nécessiter plus d'attention. Puisque vous travaillez avec un service tiers, il y a plus d'éléments à prendre en compte si vos clients souhaitent retourner un produit. Établissez une politique de retour qui s'aligne avec la nôtre sur votre site. En général, il y a deux types de retours. Les retours faits par le transporteur et les retours faits par les clients. Dans le premier cas, lorsque votre colis nous est retourné par le transporteur, c'est souvent parce qu'il y a une erreur dans l'adresse. Ça arrive si votre client ou vous fournissez une adresse jugée incomplète par le transporteur. Demandez donc à vos clients d'être très prudents avec les codes postaux et les numéros d'appartement pour éviter tout retard dans la livraison de leur commande. Le deuxième cas, c'est-à-dire quand le client veut retourner un article, c'est souvent parce qu'il a commandé la mauvaise taille. Pour éviter ce genre de situation, nous vous suggérons fortement d'ajouter un guide détail à vos pages produits. Nous avons un article de blog très complet sur les conditions générales de vente que vous devriez ajouter à votre site pour faciliter la gestion des retours. Je vous invite à le lire, il est aussi en lien dans la description. Voilà, c'est tout pour les avantages et les inconvénients. Conclusion, le Print on Demand est idéal pour démarrer une activité en ligne en raison de son faible coût et des facteurs de risque minimes. Il peut vous faire gagner du temps puisque vous n'aurez pas à vous occuper de la production ou de la gestion des colis. D'ailleurs, Printful ajoute constamment de nouveaux produits et de nouvelles options de personnalisation et fait en sorte de faciliter la gestion de votre activité commerciale. Mais comme pour toute chose, il existe des inconvénients, comme le fait de devoir faire confiance à un fournisseur pour assurer la meilleure qualité possible et le fait de devoir dépendre de leur sélection de produits disponibles. Avec le Print on Demand, rappelez-vous aussi que comme les commandes sont traité à la demande, vous devez tenir compte du temps de traitement des produits lorsque vous donnez des estimations à vos clients. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à faire leurs achats en ligne et il est donc logique que l'e-commerce soit l'une des industries à la croissance la plus forte. Maintenant, vous le savez, le Print on Demand est un excellent moyen de se lancer dans la vente en ligne. Si j'ai oublié de mentionner un avantage ou un inconvénient du Print on Demand, dites-le-moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous suggérer des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans nos vidéos. Rendez-vous dans la prochaine vidéo!